Donc on va utiliser les fonctionnalités de mirror casting, c'est-à-dire projeter ce qu'on voit sur mon téléphone sur la télé. Pour l'instant, il n'y a rien. Donc pour ce faire, vous allez ici dans le menu Appareil et vous allez faire Caster l'écran. Donc cette fonctionnalité Caster l'écran est disponible sur les terminaux dernière génération, Android KitKat, donc il y en a quelques-uns, ceux made by Google ou ceux fabriqués par les fabricants de Google. Donc ici, moi j'ai le LG G2 qui est compatible, le LG G3 l'est aussi, le Nexus 4, le Nexus 5, etc. Donc, il faut faire caster l'écran. Alors, juste bien appuyer. Donc, on confirme qu'on veut connecter l'appareil à la télé. Et vous allez voir, on voit bien mon écran de téléphone à la télé. Donc, on va pouvoir faire les manips maintenant. Si je retourne, voilà, ça se retourne de la même façon. Ok. Alors, je vais juste vous montrer. Hop. Voilà, donc là, vous voyez mon écran. Je peux naviguer. Hop, vous voyez. Je suis en train de naviguer. Je filme l'écran en même temps. Alors, juste vous montrer. Tiens, qu'on peut projeter des photos directement. Voilà, j'ai pris des petites photos tout à l'heure. Donc le mieux, c'est de les mettre en mode horizontal pour avoir l'aperçu en plein écran. Donc voilà, de façon très simple, je projette mes photos à ma télé. C'est plutôt pas mal. Et les vidéos aussi. Alors, faut que je m'arrange juste pour trouver des vidéos qui sont pas trop perso. Et qui sont aussi de bonne qualité. Est-ce que j'ai ça quelque part? Bon, on va mettre petite vidéo Vine que j'ai fait tout à l'heure. Tiens, ça là, que j'ai pas projeté. Juste une fois. Vous allez voir. Voilà, il n'y a aucun souci. Ça se projette bien à l'écran, j'en mets une autre. Un peu plus longue. Voilà. Voilà. Donc les vidéos, les photos, la navigation au sein des applications. Donc si je veux mettre une application, donc vous voyez, je fais comme ça. En même temps, l'écran, ça le fait, hein. C'est assez fluide. Exemple, allez, on va sur l'application 118.712. Hop, j'ai la restitution, vous voyez, côte à côte à l'écran de mon application. Voilà, donc je vois ici des hôtels, des restaurants, pas très loin de chez moi, à Cachan. Plutôt pas mal. Avec quand même un aperçu un peu plus sympathique. Donc c'est exactement la restitution de ce que j'ai sur mon écran mobile, je l'ai, ou sur ma tablette, je l'ai sur l'écran de télé.